Bonjour à tous, vous avez été plus de 500 000 à regarder le premier épisode. Salut. Pardon pour le retard. Tu fais quoi là, Marjo? C'était trop marrant, je viens de voir un mec marcher dans une énorme merde. Oh, pardon, tu tournes. Oui. Oui, oui, oui. Pardon. Bon. Bonjour à tous, vous avez été plus de 500 000 à regarder le premier épisode. Qu'est-ce que tu penserais de dire hello à la place de bonjour à nos amis américains qui... Hello. Hello, on est en train de tourner. Oui. Tu t'en vas, en fait? Ouais. Tu t'en vas, ouais. Bye. Oui, bye bye. Bon, on reprend. Bonjour à tous, vous avez été plus de 500... Putain. Idée de génie. Mais les meufs, quoi. Attends. On a eu une idée de sketch incroyable. Top. Alors, ouais. C'est l'histoire d'un raciste qui est aveugle, qui recouvre la vue et qui s'aperçoit, en fait, qu'il est noir. Excellente, excellente. Mais ça a déjà été fait et on tourne. Donc vous quittez le plateau s'il vous plaît, c'est possible? Ouais, enfin si ça a déjà été fait, c'est que c'est drôle. Eh ben c'est drôle, mais chez toi, allez tu rentres s'il te plaît. C'est marrant quand même. Ouais. Parce qu'il était... T'as peut-être... Bon. Bonjour à tous, vous avez été plus de 500... Allô? Oui. Ah non, tu me déranges pas du tout, non? Alors cette pétanque, c'était bien ou pas? Ouais, trop cool. Oh mais tu m'étonnes. Bonjour, je voudrais un schweppes. Quoi? Un schnepp. Hein? Un schkeps. Schweppes? Schweppes, schkeps, schmepp, schtepp. Non, ça me dit rien. Une schnecks. Schmecks, schnecks. Enfin bon, on s'est compris. Et ben voilà. Ah bah c'est dégueulasse. What did you expect? Après le déodorant 12 heures, 24 heures, 48 heures, 72 heures, Martha a créé une protection maximale 168 heures. Ultra performant, il détruit les bactéries et élimine les odeurs. Effort après effort, jour après jour, vous êtes protégé contre la transpiration. Mais ça ne vous empêche pas de prendre une douche, hein? C'est pas Thibaut, ça? Si, c'est lui. Attends, t'imagines, tu zappes un mec sur Tinder, il meurt? Qu'est-ce que ça fait sur Apple? Oh merde. Le conglomérat des auteurs du Latte Show a imaginé pour vous ce qui se passerait dans le bureau présidentiel de Planète, peuplé d'un seul sociotype. En voici la démonstration. Planète Pom Pom Girl. Planète Clo-Clo. Planète Telenovelas. Le peuple se révolte. Vous ne tenez pas vos promesses. Quoi? Emmanuel Pablo Ricardo Penela Cruz de La Hoya? Vous êtes en train d'insinuer que je mens. Planète Caissière. Voici en tous les projets de loi validés en. Ok, merci. Merci en. Planète Blogueuse Mode. Aujourd'hui, on relance l'emploi, mais en mode new, do it yourself, casual. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour la zone T? Planète Telenovelas. Donatella Linguina Macarena Mohameda del Torero. Je dis que tu mens. Planète Caissière. Planète Clo-Clo. Merde! Merde! Planète Blogueuse Mode. Présidente, qu'allons-nous faire? Nous déclarons la guerre aux racines grasses et aux pointes sèches. Ouais! Planète Clo-Clo. Autour du soleil. Planète Telenovelas. Planète Caissière. Michel, le projet de loi sur mariage gay, il passe pas. Merci. Merci de venir. Et ben voilà. Estimez-vous heureux qu'on vous ait épargné la planète Florent Pagny.
travers le monde, des milliers de femmes en sont victimes. Pourtant, personne n'ose en parler. Regroupons-nous pour lutter ensemble contre les coins de table. Envoyez vos dons à www.anticointable.org. L'examen de coloscopie qui concerne l'exploration et ou l'intervention dans le côlon peut être pratiqué dans un but diagnostique par la recherche de tumeurs et thérapeutique, l'ablation de polypes, petite excroissance qui se développe sur les muqueuses, qui peut être bénigne ou qui peut se transformer en cancer. Voyage au bout de l'anus, tous les jours à partir de 3 heures sur Q8. Marion a un problème. Ça a commencé l'année de ses 18 ans quand elle a découvert les soirées en boîte de nuit. Salut. Salut. Moi, c'est Marion et toi ? Fabrice. Ah, excuse-moi. Aujourd'hui, Marion souffre. Son entourage aussi. Excuse-moi de te déranger, Fabrice. En fait, j'ai perdu mon numéro de téléphone et je voulais savoir si je pouvais t'en rappeler. Non, désolé. J'ai une copine. Oh, mais attends, je suis pas jalouse, hein. Et sinon, tu t'es pas fait trop mal? Quoi? Bah, quand t'es tombée sous mon charme. Ah. Mais ce soir, son amie Julie a décidé de l'aider. Ton père, c'est un voleur. Ça suffit maintenant. Oh, on rentre. Allez. Oh là là. Excusez-moi. Contre la drague, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez Drague Info Service au 0825 16 16. Les filles, il y a un gars qui me suit depuis le métro. Quoi? J'ai couru. Léa, tu veux que j'aille lui parler? Ah ouais, ouais, viens, viens, on va lui parler. C'est lui. Putain, non, mais on défonce. Non, pas de violence, non. Là, t'es chaud. Je vais péter dans ta moustache, vu que t'es toujours derrière moi. Je vais coller une photo de ta mère sur mon cul, ou je sais pas trop comment je pourrais chier sur tes rébanes, pour que t'y vois plus rien et que je sois enfin tranquille quand je me déplace. T'es toujours là même quand je me retourne, mais j'ai une part de doute. Je comprends pas pourquoi tu me fais chier comme quand ça parle de foot. T'es chaud, t'es condamné à sécher comme une flaque de foot. Suis-moi dans la cuisine, je te prépare une salade de croûte. Je vais te faire passer ton envie de me suivre. Me suivre. Je vais faire en sorte que ta dignité, ta copine et ta bite te quittent. T'es relou comme un cours de maths. Et le paradoxe, c'est que t'es juste un chien, un cours de chat. Personne t'aime comme les pervenches. Même un herpès ne veut pas toi. T'es vilain comme ton père, j'pense. Faudrait que l'épisio existe pour les mecs. En attendant, j'te glisse un tampon dans l'urètre. L'apologie du théorème apolitique liberticide ne correspond qu'au microcosme dépourvu de répression. Le symbole du financement des casinos n'est pas un bon moyen pour rétablir la vérité du mal dans l'Occident. Oui. Méchant quoi. Non, on fait pas ça, faut pas faire. Non, viens. Oh, voilà, ça, non. Vas-y, non. Ah bon? Ouais, non. Mais c'est toi qui m'avais dit méchant. Non, non, je crois pas. Chier, on l'a pas trouvé. Vous voulez rien dire ton dernier couplet, Juliette? Quoi? Attends, c'est pas parce que tu comprends rien qu'il y a pas de message, c'est philosophique. Oui, enfin, ça fait quand même plaisir de se défouler sur ces connards. Ça, c'est clair. Voilà. C'est lui. T'avais perdu ton portefeuille, alors du coup, je te l'ai ramené. Bonne journée. Voilà. Ouais, bon bah moi je vais prendre ma pause. Quoi? Attends, 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 Ouais, parce que du coup, il faut quand même en tester plusieurs avant de savoir vraiment ce que t'aimes. Et moi, je préfère les longues et fines. Ah ouais? Ah bah non, moi tu vois, c'est inverse, je préfère quand c'est épais et court. Ouais, vraiment, les épais, c'est... Ouais, mais ça... Bah ouais, mais tu le sens mieux, tu vois. Ouais, c'est vrai que tu sens mieux. Vous parlez de quoi? Vous parlez de cigarettes? Ouais, non, on parle de beat. Et en même temps, ah, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que...